Good morning, allez Yidan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yudit et Vedaram Ben Chedva Chayester Bat Miriam Yitzhak Peretz Ben Fortuna. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions au Sechat Shabbat Perektet Mishnah He. Hamotzi Etzim Kedele Vachel Betzakala. Tavlin Kedele Tabel Beitzakala. Ou Mistarvin Ze Im Ze. Klipe Egozim Klipe Rimonim Isti Soufoua. Kedelitz Boa Bahen Beged Katan Bisvacha. Meraglaim, Neter ou Borit, Kamunia ve Ashlag, Kedelechabes ben Beged, Katan, Bisvacha, Rabbi Yehuda Omer, Kedelehavir al Haketem. On reprend maintenant le cours du sujet ouvert depuis la fin du Perek Zayin. À savoir, dans chaque interdit de la Torah, il y a des quantités requises pour transgresser l'interdit, pour les interdits de Shabbat aussi. Maintenant, on s'intéresse spécifiquement sur l'interdit de. Porter à Shabbat, porter, alors, si je transporte un livre à Shabbat, je transgresse l'interdit, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose d'important, mais on avait appris une règle qu'il faut transporter sur la voie publique, quelque chose qui est considérable, que l'usage, il est de conserver, de garder une chose, de garder cette quantité de choses, au cas où on aurait besoin. Si vous avez à avoir, on va prendre un exemple, on va évoquer par exemple un produit pour un détergent, on va évoquer à la fin de l'émission, par exemple, un détergent. Alors, n'importe quelle goutte de détergent, elle peut vous aider si vous avez une petite tâche ponctuelle, comme ça, vous pouvez utiliser le détergent. Mais est-ce que vous allez garder une petite goutte comme ça chez vous? Non. Donc si on transporte une petite goutte Shabbat, même si ça peut servir, on ne transgresse pas d'interdit. Jusqu'à ce qu'on va prendre une quantité conséquente. Du coup, notre Mishnah, elle va s'intéresser à me donner pour différents produits, quelle est la quantité minimale requise qu'il est d'usage de conserver, d'accord? Et on commence avec une première série. Amotsi etzim. Ça va être séparé en fait en deux, la machine, vous allez voir. Amotsi etzim. Celui qui va sortir du bois. Kedele vachel beitzakala. Eh bien, il faut sortir une quantité de bois suffisante pour faire cuire un œuf facile. On l'a déjà évoqué celui-ci. Je le rappelle très rapidement. En fait, parmi tous les aliments, celui qui cuit le plus vite, c'est l'œuf. Mieux que ça, l'œuf, si on le mélange avec un petit peu d'huile, et que pour le faire cuire, on fait d'abord chauffer la poêle, et puis après on verse l'œuf dessus, et bien vous avez l'aliment agréable qui va cuire le plus vite, qui est déjà conséquent. De ce fait, on va mesurer plein de halakhot en rapport avec la cuisson, qui vont être mesurés selon la beitza kala. Beitza kala, un œuf facile à cuire, l'œuf de poule spécifiquement. Et mieux que ça, la Gemara précise, c'est une quantité de gros guérettes c'est-à-dire en fait, vous prenez un œuf, vous préparez une omelette avec un petit peu d'huile dedans, vous retirez de quoi faire un volume de une gros guérette, une figue, c'est pas la peine de laisser tout, et voilà, ça, alors maintenant, quelle est la quantité de bois requise pour chauffer la poêle de manière à ce que quand vous allez verser l'œuf, ça va cuire tout de suite? Eh bien, c'est la quantité de bois si on transporte cette quantité de bois sur la voie publique, et bien on s'en interdit de porter à Shabbat. D'accord? Maintenant, tavlin, des épices, de nouveau, kedel tabel beitzakala. De quoi suffisamment d'épices, de quoi assaisonner, épicer, beitzakala, un œuf léger, c'est-à-dire de nouveau, le même principe, l'œuf de poule, une groguerette, un volume d'une figue d'œuf de poule. C'est-à-dire, en fait, cette fois-ci pour les épices, on a plus besoin de sortir une grosse quantité. Tous les aliments, en général, ils sont toujours mesurés selon une groguerette. Une groguerette, c'est un volume d'une figue. Il avait été évoqué plus haut, je l'ai oublié, je ne vais pas perdre de temps tout de suite, si je le trouve tout de suite, je vous le dis. Ouais, 3/8 d'œuf. Non, je me trompe, j'ai pris la mauvaise page. Bon, bah c'est pas grave, je vous le dis, bah d'accord. Il était rapporté dans le Tiferet Israël plus haut. Et voilà, de manière générale, on mesure tous les aliments avec une groguerette. Maintenant, pour les épices, c'est pas la peine de sortir une quantité énorme d'épices, parce que quand vous allez manger un œuf, vous allez mettre du poivre dessus, vous n'allez pas mettre le même volume que l'œuf, vous êtes d'accord. Donc vous allez prendre une quantité suffisante de quoi épicer agréablement l'œuf. Pourquoi l'œuf plus que tout autre plat? Parce que l'œuf, c'est un goût déjà agréable, c'est l'aliment qui est déjà consommable et qu'on aime, qu'on apprécie, et qui va capter facilement les goûts pour leur donner d'accord? Pour sentir le goût de l'épice assez agréablement, plus que si on prenait n'importe quel autre plat, qui est déjà naturellement un goût un peu fort. Donc du coup, on mesure de nouveau avec le même œuf.
Et la Mishnah enseigne ou Milstarfim Zemze. Sache qu'en plus de ça, elles vont s'associer ensemble les épices. C'est-à-dire, c'est pas la peine de sortir. Imaginez qu'en fait, il faut sortir une petite, je sais pas moi, une pincée d'épices, de quoi, donc, qui va donner un bon goût à l'œuf. D'accord? Une pincée de poivre, ça donne un bon petit goût à l'œuf, à un volume d'une gruguerette. Donc on transgresse, dès qu'on va transporter sur la voie publique cette petite pincée de poivre suffisante pour assaisonner un œuf, eh bien, on transgresse à l'interdit. La Mishnah me dit, tu sais, bon, il en va de même, je t'ai dit le poivre, mais ça peut être la même chose avec du gingembre ou du cumin. Le Rambam y rapporte comme exemple. D'accord? Mais mieux que ça, la Mishnah me dit, tu sais quoi? Même si tu prends un petit peu de gingembre et un peu de cumin et un peu de poivre, aussi les trois ils s'associent, ça dépend des fois. En fait, spécifiquement par rapport aux épices, étant donné qu'elles fonctionnent toutes dans le même but, c'est d'assaisonner l'œuf et qu'elles s'associent parfaitement bien pour donner un goût agréable, du coup ça s'associe aussi pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat. On continue. Klipé egozim, klipé rimonim, istis ou foua. Alors là, les quatre, ce sont quatre sortes de teinture. Klipé egozim, des peaux de noix, c'est-à-dire des écorces de noix. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait avec, quelle couleur ça donne. Peut-être que quand elles sont vertes, en fait, quand elles sont fraîches, je ne sais pas. Klipé egozim, klipé rimonim, des peaux de rimonim de grenade. Istis ou poua, alors ce sont, alors là, je ne sais pas. C'est traduit dans le Barthénora, il traduit avec des sources d'arabe, Nil en arabe. En tout cas, ça fait une couleur bleu-azur, ou bien hein, du poua, c'est une racine qui fait du rouge aussi. Concrètement, en tout cas, donc on a quatre sortes de produits naturels qui aident à atteindre. Alors de nouveau, là, cette fois-ci, il va falloir mesurer pour l'habit minimal à atteindre, qui est Kedel Itzboa Bahen Beget Katan Bisvacha. De quoi teindre un petit vêtement Bisvacha que l'on met sur la coiffe. Et on explique très rapidement. On va découvrir maintenant. De la même manière que pour les aliments, on a le référentiel, ça va être toujours, pour les aliments, ça va être le volume, la groguerette, le volume de la figue. Le type d'aliment, ça va souvent être l'œuf. D'accord? C'est lui le cliquiboule, c'est lui le récepteur de tout ce qu'on va pour faire cuire, pour épicer. Et bien pour les aliments, pour les vêtements à présent, on va voir maintenant dans notre Mishnah deux sortes, deux types d'interdits de porter à Shabbat pour, en vue d'améliorer un vêtement. Cette fois-ci, on va toujours mesurer le vêtement avec le Beged Katan Bisbacha. Alors, on l'a déjà un petit peu découvert quand on était dans le Perek Vav, dans Bamisha Yotza. On avait vu, je ne sais pas exactement, c'est rapporté longuement dans Shabbat, les coiffes des femmes de l'époque, c'était toute une histoire. Il y avait, c'était une grosse coiffe, ils rajoutaient un petit peu de cheveux derrière pour gonfler le truc. Ils mettaient dessus, on avait vu qu'ils mettaient un diadème, ils avaient des petits trucs qui descendaient. Et en tout cas, là-bas, je ne sais pas où précisément, mais il y avait un endroit en haut où il y avait un petit bout de tissu. Ça, c'est le Beged Katan Bisvacha, c'est le petit vêtement de la Svacha, de la coiffe. Pour fermer tout ça, ils mettaient un petit bout de vêtement qui devait être propre, qui devait être en couleur. Il y avait, d'accord? Il y avait toutes sortes de... Donc, du coup, on va mesurer à la fois, première partie de la Mishnah, on va mesurer par rapport à teindre. Je te demande de... Pour transgresser l'interdit de teindre, tu dois transporter l'interdit de porter pendant Shabbat des produits qui servent à teindre. Eh bien, il faut que tu portes une quantité assez conséquente de quoi faire une teinture d'un vêtement important. C'est quoi un vêtement important? C'est de nouveau ce petit bout de tissu qu'on mettait dans la coiffe de la femme. Beged Katan Bisvacha. Zvacha, c'est la coiffe, et le Beged Katan, le petit bout de tissu qu'on mettait là-bas, d'accord? Donc, suffisamment de quoi le teindre. Imagine qu'il est blanc, tu veux le rendre bleu azur, et bien faut que tu transportes la quantité donc ça requiert quelques grammes de histis, de ce produit qui aide à teindre en bleu azur. Il faut que tu sortes la quantité d'ici suffisante pour que la teinte bleu-azur soit bien incrustée dans le tissu comme convenablement. D'accord? Maintenant, on va parler du même principe, de la même quantité requise, du même référentiel du vêtement, mais cette fois-ci pour autre chose, par rapport à l'interdit de transporter des détergents, qui sont, alors là, Meraglaim de l'urine, ça il avait à l'urine à l'époque. Netter, il laissait tremper, c'est rapporté comme ça, on va pas tremper, on rapporte.
Il s'est souvent trempé dans des urines, dans des excréments de chiens aussi. Il essaie comme ça de tremper, il essaie de macérer, puis après il frottait, il lavait. C'est des détergents. Et néther ou borite, alors ce sont deux sortes de terre qui sert à brûler. Je ne sais pas comment ça se traduit. Le Barthénois, il nous rapporte de l'alum belaz, mais bon. Borite, de nouveau, c'est encore une autre sorte de. Camonia. Camonia, attention, ne traduisez pas ça par cumin, parce que ça n'a pas l'air. Le camonia, ici, rapporté ici, c'est plutôt une herbe. Alors, le Barthénois, il rapporte, c'est une herbe que l'on nettoie grâce à sa terre. En fait, ils expliquent les Mefarshim, je ne sais plus quand c'était le Melchet Shlomo, ou je ne sais plus qui. On prenait une herbe, on la faisait sécher, on la réduisait en poudre, et on utilisait ça comme détergent. Et le hachlag aussi, même principe. Alkali en arabe, si ça vous aide. Hachlag aussi. Alors là, cette fois-ci, je suis pas seul à ne pas comprendre. Même le Barthénois me dit hachlag, Loïd Parishli Maou. Je ne sais pas ce que c'est. Lui, il y en a un seul qui ne comprenait pas. Moi, il y en a quatre que je ne comprends pas. L'urine, je crois qu'on a la même à l'époque. Mais les trois autres, là, les quatre autres, Néther, Borite, Camonia, Hachlag, bon, c'est des détergents naturels de l'époque. Eh bien, en tout cas, quelle est la quantité requise minimale à transporter pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat? De nouveau, le même référentiel, le même petit vêtement, imaginez ce petit bout de tissu-là qui s'est sali, avec le temps, il prend la transpiration, il noircit, tout ça, il faut le laver, il faut une quantité de détergent nécessaire, quelques grammes. Eh bien, la quantité requise pour nettoyer, c'est ça la quantité importante de détergent, que si on transporte cette quantité-là pendant Shabbat, on transgresse l'interdit de porter à Shabbat. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Kedele Avir al Ketem, selon Rabbi Yehuda, il nous dit non, j'ai une mesure inférieure, un référentiel inférieur en fait, de quoi les Haavir al Ketem, de quoi faire passer une tache. Mais plus précisément, on ne parle pas d'une tache sur un vêtement classique, on parle d'une femme qui a une tache, vous savez que c'est à fond, ça nous rapporte aux lois de Nida. Il y a une femme, vous savez qu'il y a des. La femme, à part l'interdit, si elle a ses règles, qu'elle devient interdite, il y a aussi, à part ça, toute une halakha qui s'appelle Ektamim. Si toutefois elle trouve une tache de sang sur ses vêtements blancs, eh bien, hein, si elle ne sait pas d'où vient ce sang, la femme sera interdite parce qu'on va soupçonner que c'est peut-être venu de là-bas. C'est tout un monde, tout à la chotte, même avec les draps aussi. Si elle trouve une tache sur son drap, il faut absolument trouver d'où ça peut venir, voir s'il y a une plaie où le sang il a pu venir. Si on ne trouve pas de source, la femme elle devient interdite. Ça, c'est pour les lois de Nida. Maintenant, à l'époque, ils avaient une technique malgré tout pour vérifier est-ce que c'était du sang qui venait de là-bas ou du sang qui vient d'ailleurs. Parce que une femme qui va trouver du sang sur un drap, c'est peut-être pas elle, peut-être elle a un fils qui avait une plaie dans le doigt qui est venu, qui lui a collé du sang sur son drap, et puis maintenant on va l'interdire à son mari. Pourquoi? Alors ils avaient une technique à l'époque pour vérifier est-ce que c'était du sang de Nida ou c'était autre chose. Et la technique, elle consistait à faire passer 7 simanim. On prenait comme ça tous les produits là qui ont été évoqués. Il y en a que 5 dans la Mishnah en fait. Même si de Barthénois il porte 4 parce qu'apparemment le Meraglim il n'est pas dans le coup. Et on rapportait 7 simanim. On les faisait passer un après l'autre. On frottait un et un retour. C'est toute une histoire comment ça se passe. Et même la Gemara elle-même, elle a Dasfikot. Donc même en fait la Morim il ne le faisait plus déjà. Parce qu'on n'avait pas exactement la bonne Massoret comment le faire. En tout cas, il y avait une technique de faire nettoyer. On utilise d'abord le premier, après on utilise le deuxième produit, puis après on utilise le troisième produit. Et puis, une fois qu'on avait fini de faire ce qu'il fallait, alors on savait pertinemment que si toutefois c'était du Damnida, il aurait dû disparaître. Si le sang il est resté, c'est que c'est plus du Damnida, donc elle est permise. D'accord? Ça, donc c'était tout le procédé pour vérifier est-ce que c'était un Ketem. Un Ketem, c'est-à-dire une tache de sang interdite ou non. Ce procédé-là, eh bien, il requérait d'avoir ces produits-là. Et selon Rabbi Yehuda, ça suffit qu'il y ait la quantité d'un de ces simanim suffisante pour qu'il fasse son action. Et on transgresse déjà l'interdit de Shabbat si on transgresse cette quantité, donc une quantité nettement inférieure par rapport à la quantité requise par Tanakama. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.